Le BTS SEO est un diplôme national en informatique de niveau Bac plus 2. La formation est très concrète et permet d'être opérationnel après 2 ans d'études. Durant la formation de BTS SEO, chaque étudiant bénéficie de 12 semaines de stage en entreprise. Ces stages sont suivis par un professeur tuteur et un professionnel maître de stage. La formation porte d'une part sur les compétences informatiques, l'administration système et réseau, le développement de logiciels, les bases de données et la cybersécurité. D'autre part, sur le fonctionnement des entreprises, la culture économique, juridique et managériale avec une partie appliquée à l'informatique, et enfin les enseignements généraux, la culture générale et expression, les mathématiques pour l'informatique et l'anglais. À la fin du premier semestre, les étudiants choisissent de se spécialiser dans le domaine de l'administration des systèmes et des réseaux avec l'option SISR ou dans le développement de logiciels avec l'option SLAM. Les qualités nécessaires à l'étudiant en BTS SEO sont la réflexion pour maintenir et faire évoluer un système d'information, la coopération pour le travail en équipe, l'organisation pour le travail en mode projet et des qualités de logique, un esprit d'analyse et de la créativité. Le BTS SEO chez SupAvenir est dispensé en formation initiale ainsi qu'en formation continue en alternance. Il est accessible via Parcoursup. Le BTS SEO permet de poursuivre en licence professionnelle, en bachelor et également en école d'ingénieur. Après le BTS SEO, les étudiants peuvent prétendre à un poste de technicien système et réseau, d'intégrateur web ou de développeur. Après un bac plus 3 à bac plus 5, les métiers possibles sont vastes. Par exemple, les étudiants pourront se diriger vers un poste d'administrateur réseau, système ou de base de données, un poste de développeur web et mobile, de chef de projet ou bien encore de responsable de système d'information.